Le vrai chemin va sur un câble qui n'est pas tendu en l'air, mais juste au-dessus du sol. Il semble plus destiné à faire trébucher qu'à être parcouru. Toutes les fautes humaines sont de l'impatience une rupture prématurée du méthodique, une apparente enceinte de pieux autour de la chose apparente. Le vrai chemin va sur un câble qui n'est pas tendu loin du sable. Son destin est de faire tomber et non de devenir trajet. Toutes les fautes humaines sont de l'impatience. Une rupture prématurée du méthodique. Une apparente enceinte de pieux autour de la chose apparente. Il y a deux péchés humains capitaux dont sont issus tous les autres. L'impatience et le laisser-aller. À cause de l'impatience, ils ont été expulsés du paradis. À cause du laisser-aller, ils n'y retournent pas. Mais peut-être n'y a-t-il qu'un seul péché capital. L'impatience. Ils ont été expulsés à cause de l'impatience. À cause de l'impatience, ils n'y retournent pas. De nombreuses ombres de décédés ne s'occupent que de lécher les flots du fleuve des morts parce qu'il vient de chez nous
et qu'il a encore le goût salé de nos mers. Le fleuve se hérisse alors de dégoût, remonte le courant et ramène les morts à la vie. Les voilà heureux. Ils chantent des louanges et caressent l'irascible. À partir d'un certain point, il n'y a plus de retour. Ce point est à atteindre. À partir d'un certain point, il n'y a plus de retour. Ce point est à atteindre. Il n'y a plus de retour. À partir d'un certain point, il n'y a plus de retour. Ce point est à atteindre, il n'y a plus de retour. À partir d'un certain point, il n'y a plus de retour. Ce point est à atteindre, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. À partir d'un certain point, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Ce point est à atteindre. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de retour. À partir d'un certain point, il n'y a plus de retour. Ce point est à atteindre. Ce point est à atteindre. Est à atteindre. Est à atteindre. À atteindre. Ce point est à atteindre. Il n'y a plus de retour. De retour. De retour. De retour.
le moment décisif du développement humain est, si nous abandonnons notre conception du temps, un continu. Voilà pourquoi les mouvements intellectuels révolutionnaires qui frappent de nullité tout ce qui a précédé ont raison, car rien n'est encore arrivé. Un des moyens de séduction les plus efficaces du mal est d'inciter au combat. C'est comme le combat avec les femmes qui se termine au lit. Une vie, une chienne puante, ayant porté beaucoup d'enfants, déjà pourrie par endroits, qui a pourtant été tout pour moi dans ma jeunesse, qui me suit continuellement en toute fidélité, que je ne peux me résoudre à frapper, mais devant laquelle, craignant son haleine, je recule pas à pas et qui pourtant, si je n'en décide pas autrement, m'acculera dans l'angle déjà visible du mur pour y pourrir complètement sur moi et avec moi jusqu'à la fin. Cela m'honore-t-il ? Le pu et la vermine de sa langue sur ma main. Bouffi d'orgueil. Il croit avoir beaucoup progressé dans le bien, car apparemment, il se sent en tant qu'objet toujours plus séduisant, soumis à toujours plus de tentations venant de directions jusqu'alors totalement inconnues de lui. Mais la vraie explication est celle-ci. Un grand diable s'est installé en lui et une nuée de petits diables arrive pour servir le grand. «
réalité des représentations que l'on peut à peu près se faire d'une pomme. Celle du petit garçon qui doit allonger le cou pour tout juste réussir à voir la pomme sur le plateau de la table. Et celle du maître de maison qui prend la pomme et l'attend librement aux convives. Un premier signe d'un début de connaissance est le désir de mourir. Cette vie semble insupportable, une autre hors d'atteinte. On n'a plus honte de vouloir mourir. On demande à quitter l'ancienne cellule que l'on est pour être placé dans une nouvelle que l'on commencera à apprendre à haïr. Un reste de croyance s'y ajoute. Pendant le transfert, le Seigneur passerait par hasard dans le couloir, il regarderait le prisonnier et dirait « Celui-là, ne l'emprisonnez pas de nouveau, il vient chez moi. » Si tu marchais en pleine, en ayant vraiment la volonté de marcher et que pourtant tu n'ailles qu'à reculons, alors l'affaire serait désespérée. Mais comme tu escalades une pente raide, si raide que toi-même tu es vu d'en bas, alors les pas à reculons ne peuvent aussi être causés que par la configuration du sol et tu n'as pas à désespérer. Comme un chemin en automne. À peine est-il entièrement balayé qu'il se recouvre de nouveau de feuilles mortes. Une cage alla chercher un oiseau.
Je n'ai jamais encore été à cet endroit. La respiration est autre. Une étoile plus aveuglante que le soleil rayonne à côté de lui. S'il avait été possible de construire la tour de Babel sans l'escalader, cela aurait été permis. Ne laisse pas le mal te faire croire que tu pourrais avoir des secrets pour lui. Des léopards font irruption dans le temple et assèchent les cruches du sacrifice. Des léopards font irruption dans le temple et assèchent les cruches du sacrifice. Des léopards font irruption dans le temple et assèchent les cruches du sacrifice. Cela se répète encore et encore. Cela se répète. Cela se répète encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, des léopards font irruption dans le temple et assèchent les cruches du sacrifice. Cela se répète encore et encore. Pour finir, on peut le prévoir, et cela devient une partie de la cérémonie. Aussi fermement que la main tient la pierre, mais elle la tient fermement pour pouvoir la lancer d'autant plus loin. Mais le chemin mène aussi vers ce lointain. Aucun élève aux alentours. Tu es la tâche. Aucun étudiant nulle part. C'est toi le devoir. Pas d'écolier aux alentours. Tu es le problème à résoudre. Pas un écolier à la ronde. Du véritable adversaire, un courage illimité se diffuse en toi. Thank you.
Comprendre ce bonheur. Le sol sur lequel tu te tiens ne peut être plus grand que les deux pieds qui le recouvrent. Comment se réjouir du monde si ce n'est en s'y réfugiant? Comment se réjouir du monde si ce n'est en s'y réfugiant? Comment se réjouir du monde 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 si ce n'est en s'y réfugiant, en s'y réfugiant, en s'y réfugiant, si ce n'est en s'y réfugiant, comment se réjouir du monde si ce n'est en s'y réfugiant? En s'y réfugiant, en s'y réfugiant, en s'y réfugiant, en s'y réfugiant, en s'y réfugiant. Les cachettes sont innombrables. Il n'y a qu'une délivrance. Mais les possibilités de la délivrance, aussi nombreuses que les cachettes. Il y a un but, mais pas de chemin. Ce que nous nommons chemin est hésitation. Le négatif, nous avons encore à le réaliser. Le positif nous est déjà donné. Le négatif, nous avons encore à le réaliser. Le positif nous est déjà donné. Le négatif, nous avons encore à le réaliser. Le positif nous est déjà donné. Le positif nous est déjà donné. Le positif. Le négatif. Le positif. Le négatif.
nous avons encore à le réaliser. Le positif nous est déjà donné. Nous est déjà donné. Le positif nous est déjà donné. Le négatif, nous avons encore à le réaliser. Encore. 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 Le positif nous est déjà donné. Le négatif, nous avons encore à le réaliser. Encore à le réaliser. Encore, encore, encore à le réaliser. Le positif est déjà donné. Une fois qu'on a intégré le mal en soi, il n'exige plus qu'on croie en lui. Les arrière-pensées par lesquelles tu intègres le mal en toi ne sont pas les tiennes, mais celles du mal. La bête arrache le fouet au maître et se fouette elle-même pour devenir le maître et ne sait pas qu'il ne s'agit que d'une hallucination produite par un nœud nouveau dans la lanière du fouet du maître. En certain sens est désespéré. Je ne vise pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi signifie vouloir agir en un quelconque endroit des infinies émanations de mon existence spirituelle. Certains sens est
désespéré. Mais si je dois décrire de tels cercles autour de moi-même, alors je le fais plutôt en étant inactif, en contemplant simplement le gigantesque complexe. Le bien, en un certain sens, est désespéré. Et je ne ramène à la maison que le réconfort que cette vue me procure. A contrario, le bien, en un certain sens, est désespéré. 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 Les corneilles affirment qu'une seule corneille pourrait détruire le ciel. Cela ne fait aucun doute, mais ne prouve rien contre le ciel, car le ciel signifie précisément l'impossibilité des corneilles. Les martyrs ne sous-estiment pas le corps. Ils le laissent être érigé sur la croix. En cela, ils sont d'accord avec leurs adversaires. Sa lassitude est celle du gladiateur après le combat. Son travail consistait à enduire de blanc un des coins d'un bureau de fonctionnaire. Il n'y a pas d'avoir, seulement un être qui réclame le dernier soupir, l'étouffement. Il n'y a pas d'avoir, seulement un être. Un être. Un être. Un être qui réclame le dernier soupir, l'étouffement. Il n'y a pas d'avoir, seulement un être. Un être qui réclame le dernier soupir.
étouffement qui réclame le dernier soupir. L'étouffement. L'étouffement. Autrefois, je ne comprenais pas pourquoi je n'obtenais aucune réponse à ma question. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu croire pouvoir la poser. Mais je ne croyais pas du tout. Je questionnais simplement. Sa réponse à cette affirmation qu'il avait peut-être des possessions, mais qu'il n'était rien, ne fut que tremblement et battement de cœur. Quelqu'un s'étonnait de la facilité avec laquelle il parcourait le chemin de l'éternité. En fait, il le dévalait à toute vitesse. On ne peut payer le mal par traite échelonnée, et on essaie continuellement. Il serait concevable qu'Alexandre le Grand, malgré les succès guerriers de sa jeunesse, malgré l'armée d'élite qu'il avait formée, malgré les forces prêtes à changer le monde qu'il sentait présente en lui, fut resté au bord de l'Hellespont qu'il n'eut jamais franchi, et non par crainte, en fait, mais par indécision, non par manque de volonté, mais à cause de la pesanteur terrestre. Le chemin est infini. On ne peut rien en retrancher.
rien n'y ajouter, et pourtant chacun le mesure à son aune propre. Enfantine. Il est certain que tu dois encore parcourir cette aune de chemin. On n'oubliera pas de te la compter. C'est seulement notre conception du temps qui fait que nous nommons ainsi le jugement dernier. En fait, il s'agit d'une cour martiale. Le désaccord du monde, c'est une consolation, semble n'être qu'une affaire de chiffres. Le désaccord du monde, c'est une consolation, semble n'être qu'une affaire de chiffres. Désaccord du monde, c'est une consolation, semble n'être qu'une affaire de chiffres. Le désaccord du monde, c'est une consolation, semble n'être qu'une affaire de chiffres. Le désaccord du monde, c'est une consolation, ne semble être qu'une affaire de chiffres. Le désaccord du monde, c'est une consolation, ne semble être qu'une affaire de chiffres. Le désaccord du monde, c'est une consolation, ne semble être qu'une affaire de chiffres. Le désaccord du monde, c'est une consolation, ne semble être qu'une affaire de chiffres. Sur sa poitrine, la tête pleine de dégoût et de haine. Les chiens de chasse jouent encore dans la cour, mais le gibier ne leur échappera pas, même s'ils courent déjà maintenant par les bois. Tu t'es ridiculement harnaché pour ce monde. Tu t'es ridiculement harnaché pour ce monde.
Tu t'es ridiculement harnaché pour ce monde. Tu t'es ridiculement harnaché pour ce monde. Plus tu attelles de chevaux, plus cela va vite. Non pas, en fait, l'arrachage du bloc hors de sa fondation, ce qui est impossible, mais le déchirement des courroies et donc la course avide et joyeuse. Le mot « être » signifie deux choses en allemand, « être là » et « être à lui ». On leur laissa le choix entre devenir des rois ou des courriers royaux. À la mode enfantine, ils voulurent tous être des courriers. Voilà pourquoi il y a tant de courriers. Ils courent de par le monde et, comme il n'y a pas de roi, ils s'annoncent les uns aux autres des messages devenus vides de sens. Ils aimeraient mettre fin à leur vie misérable, mais ils n'osent pas. À cause de leur serment de fidélité. Croire au progrès ne signifie pas croire qu'un progrès a déjà eu lieu. Croire au progrès ne signifie pas croire qu'un progrès a déjà eu lieu, qu'un progrès a déjà eu lieu, a déjà eu lieu. Cela ne serait pas une croyance. Croire au progrès ne signifie pas croire qu'un progrès a déjà eu lieu. Cela ne serait pas une croyance. Cela ne serait pas une croyance. «
L'homme ne peut pas vivre sans une confiance durable en quelque chose d'indestructible en lui. En cela aussi, en cela aussi bien l'indestructible que la confiance peuvent lui rester durablement cachés. Une des possibilités d'expression de ce rester caché est la croyance en un Dieu personnel. L'homme ne peut pas vivre sans une confiance durable en quelque chose d'indestructible en lui, en quelque chose d'indestructible en lui, en quelque chose d'indestructible en lui, en quelque chose d'indestructible en lui. En cela aussi bien l'indestructible que la confiance peuvent lui rester durablement cachés. Une des possibilités d'expression de ce rester caché est la croyance en un Dieu personnel. En un Dieu personnel. Un Dieu personnel. Il fallut l'intercession du serpent. Le mal peut séduire l'homme, mais il ne peut devenir un homme. Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Tromper personne, pas même le monde pour sa victoire.
a rien d'autre qu'un monde spirituel. Ce que nous appelons le monde sensible est le mal dans le spirituel. Et ce que nous appelons mauvais n'est qu'une nécessité d'un instant de notre développement éternel. Avec une très forte lumière, on peut dissoudre le monde. Il s'affermit devant des yeux faibles, devant d'autres encore plus faibles, des points lui viennent. Devant de plus faibles encore, il devient pudique et écrase celui qui ose le regarder. Tout est tromperie. Tout est tromperie. Tout est tromperie. Tout est tromperie. Rechercher le minimum d'illusions, rester dans l'habituel, rechercher le maximum. Rechercher le minimum d'illusions, rester dans l'habituel, rechercher le maximum. Dans le premier cas, rechercher le minimum d'illusions, on trompe le bien. En voulant trop se faciliter son acquisition et le mal, en le soumettant à des conditions de combat trop défavorables. Tout est tromperie. 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 Recherchez le minimum d'illusions. Rester dans l'habituel, rechercher le maximum. Rechercher le minimum d'illusions, rester dans l'habituel, rechercher le maximum. Dans le deuxième cas, rester dans l'habituel, on trompe le bien en ne cherchant même pas à l'atteindre par la voie terrestre. C'est trop.
tromperie. Tout est tromperie. Rechercher le minimum d'illusions. Rester dans l'habituel. Rechercher le maximum. Dans le troisième cas, rechercher le maximum d'illusions. On trompe le bien en s'éloignant le plus possible de lui, et le mal en espérant le rendre impuissant, en le poussant au paroxysme. S'en tenir au deuxième cas, car on trompe toujours le bien, et dans ce cas, au moins en apparence, pas le mal. Que nous ne pourrions surmonter si nous n'en étions pas libérés de par nature. Le langage ne peut être utilisé pour tout ce qui est en dehors du monde sensible que de manière allusive, mais jamais même approximativement de manière comparative, car, et cela correspond au monde sensible, il ne traite que de la possession et de ses rapports. On ment seulement quand on ment le moins possible, on ment le moins possible. Seulement quand on ment le moins possible, on ment. On ment le moins possible. Le moins possible. Seulement quand on ment le moins possible, on ment. Le moins possible. Seulement quand on ment. Le moins possible, seulement quand on ment. Seulement quand on ment le moins possible, on ment. Le moins possible. Seulement quand on ment le moins possible. Le moins possible. Le moins possible. Possible. Le moins. On ment le moins possible. Le moins possible, on ment. On ment le moins possible. Seulement quand on ment le moins possible, on ment le moins possible. Seulement quand on ment le moins possible. On ment le moins possible, on ment. Le moins possible, on ment. On ment le moins possible seulement. Quand on ment le moins possible, on ment le moins possible seulement. Quand on ment le moins possible.
possible, seulement on ment. Le moins possible, seulement. Quant au moins le moins possible. Quant au moins le moins possible. Le moins possible. Quant au moins, seulement on ment. Le moins possible. On ment le moins possible. Seulement quand on ment. Le moins possible. Seulement. On ment. Seulement. Le moins possible. Seulement quand. On ment. Le moins possible. Non pas quand on a le moins possible d'occasion de le faire. Le moins possible. On ment. Seulement. Quand on a le moins possible d'occasion de le faire. On ment le moins possible, seulement quand on ment le moins possible. Seulement quand on ment le moins possible. On ment le moins possible, seulement quand on ment le moins possible, on ment. On ment le moins possible, seulement quand on ment le moins possible. On ment le moins possible, seulement quand on ment le moins possible. Non pas quand on a le moins possible d'occasion de le faire. Une marche d'escalier qui n'a pas été profondément creusée par des pas n'est vue par elle-même qu'un triste assemblage de bois. Celui qui renonce au monde doit aimer tous les hommes, car il renonce aussi à leur monde. Ainsi, il commence à pressentir l'être humain véritable qui ne peut pas ne pas être aimé à condition qu'on soit son égal. Celui qui dans le monde aime son prochain ne commet ni plus ni moins d'injustice que celui qui dans le monde s'aime lui-même. Ne resterait plus que la question : la première proposition est-elle possible ? Le fait qu'il n'existe rien d'autre qu'un monde spirituel nous enlève l'espoir et nous donne la certitude. Notre art est un éblouissement causé par la vérité. La lumière sur le visage grimaçant qui recule est vraie. Rien d'autre.
l'expulsion du paradis est dans sa partie essentielle un processus éternel. Certes, l'expulsion du paradis est définitive. La vie dans le monde est inévitable. Mais l'éternité du processus, ou en termes temporels, l'éternel répétition du processus, rend cependant possible que nous puissions non seulement rester continuellement au paradis, mais que nous y sommes en effet continuellement. Et peu importe qu'ici nous le sachions ou non, l'éternelle répétition du processus rend cependant possible que nous puissions non seulement rester continuellement au paradis, mais que nous y sommes, en effet, continuellement, mais que nous y sommes, en effet, continuellement, et peu importe qu'ici nous le sachions ou non. C'est un libre citoyen de la terre et sûr de ses droits. Car il est attaché à une chaîne assez longue pour lui donner accès librement à tous les espaces terrestres, mais qui n'est pas assez longue pour que quelque chose puisse l'arracher aux limites terrestres. Mais en même temps, il est aussi un citoyen du ciel, libre et sûr de ses droits. Car il est aussi attaché à une chaîne céleste conçue de manière comparable. S'il veut aller sur terre, le collier du ciel l'étrangle. S'il veut aller au ciel, c'est le collier de la terre. Et pourtant, il a toutes les possibilités, et il le sent. Il se refuse même à renvoyer tout cela à une faute lors du premier rivetage. Après les faits, comme un débutant en patinage qui, de plus, s'exerce là où c'est interdit. Qu'y a-t-il de plus joyeux que la croyance en un dieu domestique ? Théoriquement,
il y a une possibilité de bonheur parfait. Croire en l'indestructible en soi et ne pas chercher à l'atteindre. L'indestructible est un. Tout individu humain l'est et, en même temps, tous le sont ensemble. D'où l'alliance unique et indissoluble des êtres humains. Il y a chez le même être humain des connaissances qui, tout en étant totalement différentes, ont le même objet. Si bien qu'on ne peut qu'à nouveau en déduire l'existence de divers sujets dans le même être. Il engloutit les déchets tombés de sa propre table. Grâce à cela, et pendant un petit moment, il est plus rassasié que tous les autres. Mais il en oublie comment on mange à table. D'ailleurs, à cause de cela, il n'y a bientôt plus de déchets. Si ce qui est censé avoir été détruit au paradis était destructible, alors cela n'était pas décisif. Mais si c'était indestructible, alors nous vivons dans une fausse croyance. Mesure-toi à l'humanité. Mesure-toi à l'humanité. Mesure-toi à l'humanité. Mesure-toi à l'humanité. À l'humanité. Mesure-toi à l'humanité. Elle fait douter celui qui doute. Croire celui qui croit. Mesure-toi à l'humanité. Elle fait douter celui qui doute, croire celui qui croit. Qui croit ? Qui croit ? Qui croit ? Qui croit ?
ce sentiment. Je ne jette pas l'encre ici. Et aussitôt, on sent autour de soi le flot ondoyant qui vous porte. Ce sentiment. Je ne jette pas l'encre ici. Et aussitôt, on sent autour de soi le flot ondoyant qui vous porte. Qui vous porte. Un revirement. La réponse, anxieuse, pleine d'espoir, scrute, guette la question, cherche désespérément sur son visage inaccessible, la suit sur les chemins les plus insensés, c'est-à-dire les plus éloignés possibles de la réponse. Fréquenter des êtres humains induit à l'auto-observation. L'esprit ne sera enfin libre que quand il cessera d'être un appui. L'amour charnel est trompeur quant à l'amour céleste. Il ne le pourrait pas tout seul, mais comme il a en lui inconsciemment l'élément de l'amour céleste, il le peut. La vérité ne peut se diviser. Elle ne peut donc se connaître elle-même. Qui veut la connaître doit être mensonge. Personne ne peut exiger quelque chose qui, au bout du compte, lui nuira. Si cela en a quand même l'apparence pour un homme en particulier, et c'est peut-être toujours le cas, cela s'explique par le fait que quelqu'un en cet homme demande quelque chose, ce qui certes est utile à ce quelqu'un, mais qui nuit gravement à un second quelqu'un qui est en partie incité à juger le cas. Si l'homme s'était rangé dès le début, et pas seulement au moment du jugement, aux côtés du second quelqu'un, le premier quelqu'un aurait disparu, et avec lui l'exigence. Pourquoi nous plaignons-nous du péché originel ? Ce n'est pas à cause de lui que nous avons été chassés du paradis, mais à cause de l'arbre de vie, pour que nous n'en mangions pas.
ne sommes pas seulement coupables parce que nous avons mangé de l'arbre de la connaissance, mais aussi parce que nous n'avons pas encore mangé de l'arbre de vie. La culpabilité est l'état dans lequel nous nous trouvons indépendamment de la faute. Nous avons été créés pour vivre au paradis. Le paradis était destiné à nous servir. Notre destinée a été changée. Que cela ait aussi été le cas pour la destinée du paradis, cela n'est pas dit. Le mal est une émanation de la conscience humaine dans certaines phases de transition. Ce n'est pas en fait le monde sensible qui est apparence, mais le mal en lui, qui, il est vrai, constitue pour nos yeux le monde sensible. Depuis le péché originel, nous avons pour l'essentiel la même capacité à reconnaître le bien et le mal. Pourtant, c'est précisément ici que nous recherchons nos avantages particuliers. Mais ce n'est qu'au-delà de cette connaissance que commencent les vraies différences. L'apparence du contraire est déterminée par ce qui suit. Aucun être humain ne peut se satisfaire de la seule connaissance, mais il doit s'efforcer d'agir en fonction d'elle. Mais la force pour cela ne lui a pas été donnée. Il doit donc se détruire, même au risque de ne pas obtenir ainsi la force nécessaire, mais il ne lui reste rien d'autre à faire que de tenter ce dernier essai. C'est aussi le sens de la menace de mort lors de l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance. Peut-être est-ce aussi le sens originel de la mort naturelle. Maintenant, il craint cet essai. Il préfère annuler la connaissance du bien et du mal. La dénomination « péché originel » remonte à cette peur. Mais ce qui a eu lieu ne peut être annulé. Il peut seulement être opacifié. Les motivations sont créées dans ce but. Le monde entier en est plein. Oui, le monde visible tout entier n'est peut-être rien d'autre qu'une motivation de l'homme voulant se reposer un instant. Une tentative de falsifier le fait de la connaissance, de ne faire de la connaissance qu'un but en soi.
une foi comme un couperet, si lourde, si légère. La mort est devant nous, à peu près comme sur le mur de la salle de classe, une reproduction de la bataille d'Alexandre. Il s'agit, par nos actions dès cette vie, d'assombrir le tableau ou même de l'effacer. Deux possibilités. Se faire infiniment petit ou l'être. La première est achèvement, donc inaction. La seconde est début, donc action. Pour éviter une erreur sur les mots. Ce qui doit être détruit dans l'action doit d'abord avoir été tenu très serré. Ce qui tombe en miettes, mais ne peut être détruit. La première idolâtrie, c'était certainement de la peur devant les choses. Mais la peur de la nécessité des choses lui était liée. Et la peur de la responsabilité pour les choses lui était liée. Cette responsabilité paraissait si écrasante que l'on n'osa même pas l'imposer à un seul être extra-humain. Car même par la médiation d'un seul être, la responsabilité humaine n'aurait pas encore été assez allégée. La fréquentation d'un seul être aurait encore été trop entachée de responsabilité. Voilà pourquoi on donna à chaque chose la responsabilité d'elle-même et plus encore. On donna aussi à ces choses une responsabilité limitée pour les êtres humains. Dernière fois de la psychologie. Pour la dernière fois de la psychologie. Pour la dernière fois de... Pour la dernière fois de la... Pour la dernière fois de la psychologie. De la pss, de la pss,
de l'abs, de l'abs, de l'abs, de l'abs. Pour la dernière fois, la dernière fois, dernière fois de la psychologie, 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 la psychologie, la psychologie, la psychologie, la psychologie, la psychologie, 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 la psychologie, pour la dernière fois de la psychologie. Deux tâches du début de la vie. Resserrer de plus en plus ton cercle et vérifier toujours et encore que tu ne te tiens pas caché quelque part à l'extérieur de ton cercle. Le mal se trouve parfois dans la main, comme un outil, connu ou inconnu. Si on en a la volonté, il se laisse poser de côté sans opposition. Les joies de cette vie ne sont pas les siennes, mais notre peur de l'ascension jusqu'à une vie supérieure. Les souffrances de cette vie ne sont pas les siennes, mais la souffrance infligée à nous-mêmes à cause de cette peur. Ce n'est qu'ici que la souffrance est la souffrance. Ce n'est pas comme si ceux qui souffrent ici devaient être élevés ailleurs à cause de cette souffrance. C'est comme si ce qui s'appelle souffrance en ce monde était dans un autre monde, inchangé et seulement libéré de son contraire, la félicité. La représentation de l'extension infinie et de la plénitude du cosmos est le résultat du mélange le plus radical entre une création laborieuse et une libre réflexion sur soi-même. Combien plus impressionnante que la plus impitoyable conviction de notre état actuel de péché se trouve être même la plus faible conviction de la justification autrefois éternelle de notre temporalité. Ce n'est que la force de supporter cette deuxième conviction qui inclut totalement dans sa pureté la première qui est la mesure de la foi. Beaucoup de gens supposent qu'en plus de la grande tromperie, une petite tromperie est organisée dans chaque cas spécialement pour eux, et donc que lorsqu'une intrigue amoureuse est représentée sur la scène, l'actrice, outre le sourire menteur pour son amoureux, adresse encore un sourire particulièrement perfide à tel spectateur particulier de la dernière galerie.
c'est aller trop loin. Il peut y avoir un savoir du diabolique, mais aucune foi en lui. Car plus de diabolique qu'il n'y en a ici, cela n'existe pas. Il peut y avoir un savoir du diabolique. Mais aucune foi en lui. Car plus de diabolique qu'il n'y en a ici, cela n'existe pas. Il peut y avoir un savoir du diabolique, mais aucune foi en lui. Car plus de diabolique qu'il n'y en a ici, cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Le péché arrive toujours franchement et il est immédiatement perceptible par les sens. Il marche sur ses racines et ne doit pas être arraché. Chaise longue à la fenêtre. Toutes les souffrances autour de nous doivent aussi être souffertes par nous. Nous tous, nous n'avons pas un corps, mais une croissance. Et cela nous conduit à travers toutes les douleurs, quelle qu'en soit la forme. De même que l'enfant se développe en passant par tous les stades de la vie jusqu'à la grande vieillesse et la mort, et que chaque stade apparaissent au fond pour le précédent, dans le désir ou la crainte comme hors d'atteinte. De même, nous nous développons en un lien pas moins profond avec l'humanité qu'avec nous-mêmes, à travers toutes les souffrances de ce monde. Il n'y a pas de place pour la justice dans ce contexte, mais pas non plus pour la crainte de la souffrance ou pour l'explication de cette souffrance comme un mérite. Tu peux te tenir à distance des souffrances de ce monde. Tu en as la liberté et cela correspond à ta nature. Mais peut-être cette prise de distance est-elle justement la seule souffrance que tu pourrais éviter.
L'homme a le libre arbitre, en fait, de trois manières. Premièrement, il était libre quand il voulut cette vie. Il est vrai que maintenant, il ne peut plus y revenir, car il n'est plus celui qui le voulait alors, à moins qu'il ne réalise sa volonté d'alors en vivant. Deuxièmement, il est libre en tant qu'il peut choisir son allure et le chemin de cette vie. Troisièmement, il est libre en tant qu'il a la volonté, comme celui qu'il sera à nouveau un jour, de traverser la vie sous n'importe quelle condition et de laisser ainsi tout venir à lui, en fait comme sur un chemin certes disponible, mais en tout cas si labyrinthique, qui ne laisse intacte aucune parcelle, même la plus petite de cette vie. Voilà la triple nature du libre arbitre, mais c'est aussi, car elle est simultanée, une unicité et si cohérente au fond qu'elle n'a pas de place pour une volonté ni libre ni serve. Le moyen de séduction de ce monde et le signe de la garantie que ce monde n'est qu'un passage sont la même chose. À juste titre, car ce n'est qu'ainsi que le monde peut nous séduire et cela correspond à la vérité. Mais le pire est qu'après une séduction réussie, nous oublions la garantie et qu'ainsi donc le bien nous a attirés vers le mal. Le regard de la femme nous a attirés vers son lit. L'humilité donne à chacun, même aux désespérés solitaires, le rapport le plus fort à ses semblables aussitôt, mais en fait seulement si l'humilité est totale et durable. Elle peut réussir cela parce qu'elle est la vraie langue de prière, en même temps supplique et lien le plus fort. Le rapport au semblable est le rapport de la prière. Le rapport à soi, le rapport à la recherche du but. C'est de la prière que provient la force pour la recherche du but. Peux-tu donc connaître autre chose que la tromperie? Si un jour la tromperie est détruite, tu n'as pas le droit de regarder par là. Ou alors, tu deviendras une statue de sel. Tous sont très aimables avec A. À peu près comme quand on essaye de protéger soigneusement un excellent billard des assauts de bons joueurs. Jusqu'à ce que le grand joueur arrive, qu'il inspecte soigneusement le tapis, qu'il ne tolère aucune faute intempestive, mais qu'alors, lorsque lui-même commence à jouer, il se déchaîne de la façon la plus impitoyable. Ensuite, il retourna à son travail comme si rien ne s'était passé. C'est une remarque qui nous est très connue par une foule obscure de vieilles histoires, alors qu'elle n'apparaît peut-être dans aucune d'entre elles. Que nous manquions de foi, cela, on ne peut pas le dire. Rien que le simple fait de notre vie comporte une valeur de la foi qui est inépuisable.
y aurait ici une valeur de la foi, on ne peut tout de même pas ne pas vivre. C'est précisément dans ce « on ne peut pas » que réside la force folle de la foi. Dans cette dénégation, elle prend forme. Seul.